Le joueur de Norton, Nathan Finney, qui va venir nous rejoindre dans un instant, et Jimmy Lefranc pour les réactions après ce match entre Rethel et Norton. 9-3 pour Rethel dans un match rude pour le moins. C'était un match d'homme pour le coup. Bon, allez, on va faire venir Jimmy Lefranc en attendant que le joueur de Norton arrive. C'était un match de... Comment dire, dans un registre assez inhabituel, on va dire. Bah oui, on savait contre les Anglais que c'est toujours un peu comme ça. Ils mettent pas mal de coups. Et là, en effet, ouais, ça a commencé dès le début. C'est un match engagé, difficile. Ils ont mis des coups dès le début. On a eu de la supériorité. Après, on mène assez rapidement 5-0. Après, bon, bah, on a essayé de se protéger un peu on sait qu'il y a des matchs à suivre et qu'il fallait penser à la suite des matchs. Quoi. Des nouvelles de Patrick Sébec ? Ouais, c'est le gros coup dur du match. On ne sait pas pour l'instant s'il va pouvoir poursuivre la compétition ou pas. C'est vrai qu'il a pris un seul coup au genou. J'espère qu'il va pouvoir être là pour les demi-finales, voire finale si on y est. Mais là, c'est vrai que c'est un coup dur pour nous. Hein. Ouais. Merci Jimmy Lefranc, bonne continuation, reposez-vous. Nathan Finney va me rejoindre pour la petite réaction. Nathan Finney, it was supposed to be a very good game, but it was very, very rough. We took a lot of penalties. Yeah. That's what really made the difference. I think Rafael scored 6 or 7 power play goals. And against a team like Rafael, if you take that many penalties, they're going to punish you. L'équipe de Rethel a bénéficié de beaucoup d'avantages numériques, comme on a pu le voir, et contre cette équipe, ça ne pardonne pas. It was the referee makes you nervous, or you was not able to keep calm and. I think back home the game's just a little bit different. It's a little more physical. Yeah. So when we come here, there's a difference in the reffing, and it's just taken us a while to adapt to that. La difficulté, c'est ce qu'on expliquait à l'antenne, de s'adapter au format IHF FIRS. Et là, eh bien, l'arbitre est un peu plus regardant sur le jeu physique. What can you expect to the next games and days? We need to win the next game. That's key. So hopefully we're going to do that and see who we draw. Later on. Merci beaucoup Nathan Finney. Thank you for coming. Thank you for coming. La suite, eh bien, c'est la prochaine rencontre pour cette équipe de Norton. La nécessité absolue de gagner pour avancer. Le match suivant, eh bien, il est à l'échauffement derrière nous. Mannheim contre Valladolid. C'est avec Maxime Bettmal dans un instant. A tout à l'heure ce soir pour le très gros match Rethel-Milan. Mais vous allez pouvoir suivre ce qui se déroule là devant nous. A tout à l'heure. Ciao.